Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour, un pari, votre rubrique en partenariat avec le site theturf.fr. Alors, ce jeudi 6 octobre, direction l'hippodrome de Cabourg, hein, réunion 4 avec les trotteurs bien entendu. Une semi-nocturne assez intéressante avec pas mal de partants hein, qui attend les parieurs. Moi, je me suis intéressé à la troisième course, le prix des perdrix, une compétition réservée à des concurrents âgés de 5 ans, n'ayant pas gagné 69 500 €. Il y aura un recul de 25 mètres, comme vous le voyez, à partir de 36 500 €. Voilà, deux échelons de départ, 8 à chaque poteau. Et je n'ai retenu qu'un seul cheval dans cette compétition. Ce sera au deuxième échelon, ce sera le numéro 12, Imberland. Vous le voyez, c'est vraiment un cheval qui est en forme. Qui est assez régulier hein, dans l'ensemble. Il n'a pas beaucoup couru hein, cette année, mais il fait vraiment preuve de constance. Il sera confié à François Lagadec et déféré des quatre pieds. Donc voilà, ça aussi, c'est un atout supplémentaire. Vous le voyez déjà à Vire la dernière fois. Il rend des 25 mètres avec François Lagadec. Du coup, il est bon droitier. Il est capable de rendre de la distance et il s'entend bien avec son partenaire. Vraiment, comme j'ai dit, beaucoup d'atouts dans son jeu. Voilà, il a très bien fait sur l'hippodrome de Cabourg déjà l'avant-dernière fois, entre-temps 14-8 hein, sur un parcours de tenue. Donc voilà, aptitude également à ce parcours, c'est très très bien. Son entraîneur n'a pas caché sa confiance. Il a fait appel à François Lagadec un peu de longue date. Donc moi je m'en méfie tout particulièrement et je pense qu'il est vraiment capable de jouer les tout premiers rôles dans cette compétition. Donc voilà, ce sera tout simplement le 312 en réunion 4 que je vous conseille ce jeudi 6 octobre dans cette émission de Un jour, un pari. Un jeu simple à jouer chez notre partenaire à theturf.fr. 1 € gagnant et 3 € placés pour ma part. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition hein, de Un jour, un pari. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker ou à la partager. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve vendredi pour une nouvelle édition, vendredi 7 octobre. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.